yeux. Humilier signifie diminuer l'orgueil, diminuer la dignité de quelqu'un. C'est à ça humiliation la dit pour nous matin. Ma professeure avec nous, terrible séisme de janvier qui frappe Haïti. Séisme a été payé à nos situations d'humiliation sans pareil. Nous devons tout ça qui est assemblé orgueil haïtien disparaître. Tout ça t'a capable de faire orgueil peuple ça disparaître à travers séisme ça. Ça veut dire les symboles de la puissance publique, tel que palais national, parlement, palais de justice, ils ont effondré comme des véritables châteaux de cartes. Donc, si tu as Haïti, c'est un exemple d'où janvier mettait dans une situation d'humiliation sans pareil. Mais maintenant, vous voulez qu'on comprenne. Le fait d'être humilié, il n'est pas limité seulement dans le cadre de relations humaines, relations de l'homme avec la nature. Mais nous sommes capables de voir humiliation tout dans le domaine spirituel, dans le cadre de relation de l'homme avec Dieu. C'est bien ce matin, nous sommes capables de mettre dans le cadre de relation nous avec mon Dieu. Des fois, Dieu mettait ces rituels-là, ces ventes-là dans une situation d'humiliation. Amen. Dieu conduit des fois son appelé sur la route de l'humiliation. L'appelé connaît toujours l'humiliation dans sa marche avec Dieu. Mon Dieu, marche avec Dieu des fois. Ou non, situation d'humiliation. Mais situation d'humiliation, ça, c'est Dieu qui l'a planifié. C'est Dieu qui l'a planifié. Mais nous regardons pour qui ça, serviteur de Dieu a. Nous regardons pour qui ça, servant de Dieu a. Des fois, trouver dans situation d'humiliation, les la marcher avec Dieu. Des fois, dans vie nous, dans vie chrétienne nous, pour se soumettre nous à situation ça. Les soumettre à la situation, hein, Dieu qui est bagaille, il est dit. Qui t'a qu'à arriver enseigner? Peut-être matin, nous allons dire, qui savons du tablet dit, les métaux dans une situation d'humiliation. Amen. Texte qu'il considérait à offrir au moins deux réponses à qui sont ça. Ma parole de Deutéronome, livre ça, que c'est qu'il a écrit justement pour capable de mettre une nouvelle génération en connaissance de pour qui ça, mon Dieu, te soumettre les enfants d'Israël à cette humiliation. Pourquoi les déserts? Il était important pour ces rituels-là. Eh bien, écrit, discours ça y est. Eh bien, écrit dans plein de Moab pour montrer une nouvelle génération. Dieu mettait une personne là. Parce que par nous là, il était bien la raison. Mais est-ce que nous tirons conclusion de ce que Dieu veut nous enseigner à travers notre situation d'humiliation? Dieu d'abord humilie son enfant. C'est pour l'éprouver. Deutéronome 8, verset 26. Bon Dieu, humilié ou des fois, c'est pour le capable d'éprouver. Amen, amen, amen. Amen. Dieu, des fois, humilié nous, c'est pour le capable d'éprouver. Bon Dieu, mettez à l'épreuve des fois en ce qui concerne sa foi et la disposition de son cœur. Jacques 1er, verset 3, Deutéronome 8, verset 2b. Maintenant, matin, bon Dieu, pas tant et moune. Mais bon Dieu, des fois, mettez à l'épreuve la foi de l'homme afin de vérifier son authenticité. Des fois, je vois dans une situation difficile. C'est dans une situation difficile là. Mon Dieu a cédé avec pour le préparer. Pour notre bagage. Qu'il n'est pas dans la souffrance, dans l'enseignement. Qui vous devez battre à travers la souffrance. Souffrance dans vie nous. Il n'est pas plus comme ici. Parce que Dieu veut nous enseigner quelque chose à travers la souffrance. Mon Dieu, mettez la foi à l'épreuve. C'est pour capable de vérifier l'authenticité de nous. Est-ce que la marche à mon Dieu, jusqu'à mort, il a mon Dieu. Des fois, situation, dépression, souffrance, maladie, calamité, déception. Mon Dieu, mais ouais, jusqu'à mort, il a pris la reine. Est-ce qu'on va accepter ça, notre vie chrétienne? Ma vraie loi, Mathéon, pas que la vie chrétienne sans ça. Il y a des réalités qui font partie même de la vie chrétienne. La réalité de la souffrance. Christ, tout en voulant dire, pitié pour lui, voire persécuter. Nous ne pouvons pas arriver à une vie chrétienne sans réalité ça. La réalité de la souffrance, il y a connu. Même en dessous, mon Dieu, pas tant de monde, mais mettez-nous à l'épreuve. Mon Dieu, soumet des fois, pitié de l'IA, au feu de la persécution, au feu de la maladie, des souffrances, de la faim, pour qu'il y ait une endurance.
pour garder un chrétien qui fait véritablement. On ne peut pas capable de faire endurance dans la vie chrétienne. Ni. On ne peut pas capable prêt pour consoler le monde sous pas passer dans la calamité. Les gens là, les seuls à nous contrôler, ils ont des tels problèmes. Mais les gens ont passé déjà. On peut pas orienter. Parce qu'on passait par la souffrance. Nous loin de cet évangile de prospérité qui dit que démocratie, tout le monde va marcher bien. Non! Nous devons dire souffrir, c'est pas quoi? Quoi symboliser tout ça dans souffrir? Tout ça n'est comme calamité. Je dis à notre vie chrétienne, nous. Bon Dieu, mettez là pour le capable d'endurance. Bon Dieu, mettez notre situation de souffrance pour le capable préparer pour son service. Ou pas capable pour le service de Dieu. Sans cette route, où tu es ici là, où tu vas pas supporter là, où tu as important d'information, où tu as important mon frère, ma soeur. Tu penses que c'est maladie liée, tu penses que travail ou pas à une travail, tu penses que nous avons eu lieu, ma tout matin, où tu as important. Parce que c'est là son côté qui prépare, ou mon dit préparer. Dieu utilise les choses de cette vie pour le préparer pour le ciel. Amen. Si vous voyez ça va bien or, vous connaissez or la pure, or la pure, pour mettre dans le sucre. C'est après que vous mettez dans le sucre en prison, ça son poulon. Mais c'est pas plus important que l'eau devant Dieu, mon Dieu. Alléluia. Mais comme nous plus important que l'eau devant Dieu, mon Dieu, et bien ça fait des mois, mettez dans le sucre là. Parce qu'on ne peut pas être prêt pour le service de Dieu sans cette préparation. Pour te servir avec chose dans laquelle ne pas comprendre, pour le former. Bon, je vais te servir avec Rose, mon frère, ma soeur. Je vais mettre Rose sous Routou pour le former. Je vais mettre calamité, je vais mettre maladie, je vais mettre problème, je vais mettre civilité. Yes. Je vais seulement accepter. Parce que c'est planifié par le maître. Amen. C'est planifié par Dieu, ma soeur, mon frère. Pas j'ai rien à priver de nos vies si ce n'est pas volonté de Dieu. Parce qu'il y a souvent. Et sur votre route, sous nos situations d'humiliation, ou bien je t'accorde, acceptez. Les enfants d'Israël, tu es obligé de connaître le désert. Désert, c'est la route obligée pour vos yeux préparer pour Canaan. Pour pas garantir Canaan sans préparation. Amen. La préparation est importante avant de faire Canaan. Les enfants d'Israël, nous parlons de 40 ans dans le désert, 40 ans de formation, 40 ans d'éducation, 40 ans de préparation. En ne vous désolez, mon frère, ma soeur, acceptez. Yes, yes, yes. Parce que c'est préparé, c'est planifié par le maître. Alléluia. Même les hommes du monde, ils prennent conscience que les difficultés renforcent le caractère. Ils disent que les gens grandissent dans les temps de difficulté. Amen, amen. L'église. Amen. Les gens grandissent. C'est dans le temps de difficulté. Amen. Et ça, même les qui ne m'ont pas compris ça, il y a une famille industrielle, chaque terrain qui dit, les problèmes constituent le prix du progrès. Ne dis pas, portez-moi loin. Portez-moi seulement des problèmes. Car bonne nouvelle, nous rendons vulnérables. C'est l'homme du monde qui dit ça. Les gens dans la difficulté, les problèmes, ils vont grandir. Ils vont acquérir des expériences. Mais pourquoi espérer ça, c'est dans le temps de problème? Amen. Parce que dans le temps de problème, il faut qu'aller ça en fait pour le soutien. Alléluia. Vas-y donc, bon Dieu, mettez dans la situation ça parce que bien, on va gagner. On va gagner endurant, on chrétien fait. On est chrétien capable d'aider nous, capable de conseiller nous, capable d'orienter nous sur pas. Passer étape ça. Sur étape obligée. Qui oublie de parler, sur étape obligée. Soyez t'a obligé, mon frère, ma soeur, par disposition de notre cœur. Elle est vous pas croire. Que Dieu veut connaître Satan donne. Bon Dieu connaît Satan donne déjà. Mais lui, que nous conscients d'engagement avec mon Dieu. Bon Dieu, vous mettez dans la difficulté à pour conscients d'engagement avec mon Dieu. Justement, qu'il a mon Dieu. Bon Dieu, quittez la situation. Pour être justement. Est-ce que ce chrétien est problème là pour qui quitter ça? Parce que le monde qui a marché avec Dieu, quand on a une difficulté dans le monde, nous abandonner, mais sois chrétien. Vous devez le conscient des réalités, engagement, amen. Justement, marche avec. Justement, suivi. Parce que le monde qui a accepté Christ, mais après, il a accepté Christ dans un bon moment seulement, toute difficulté est venue, il a abandonné, mais justement,
arrive à mon Dieu. Vous allez tester réalité fond. Ils vont tester l'engagement avec. Lorsque mon Dieu mettait Abraham à l'épreuve, en ce qui concerne le cause de son fils, mon Dieu dit Abraham, Abraham, Abraham répondit, mais voici, Genèse 22, verset 1er. Donc Abraham était conscient de l'engagement avec. Mon Dieu vit mal, visite très tard dans l'île. Et puis mon Dieu m'a dit, petit à l'heure, cause, quelle épreuve. Mais allez-y, il dit Seigneur, me froissi, sombré à mes nous. Comme chrétien matériel qui a dit Seigneur, sombré à mes nous. Comme chrétien matériel qui a marché à mon Dieu, sombré à mes nous. C'est pas contre ton vrai, c'est contre ton Dieu vrai. C'est pas où tu vrai, c'est où tu vrai. Amen. Oh, amen. Amen. C'est pas où tu vrai, c'est pour ce consupplant la vie. On ne nous a pas encore comme ça, mon frère, ma soeur. Situation n'a pas changé, tout le monde sera fier de changer. Parce que pour se construire plein comme ça. Pour se construire plein comme ça. Calamité, au problème, pour se construire la vie comme ça. Ou que seulement on va vous faire matin pour accepter la volonté de Dieu. Cette volonté de Dieu sur la terre pour vous aussi, c'est la souffrance. Pour besoin accepter, parce que Jésus m'a donné dans ce passé. Bon, c'est ma chambre à un moment donné. Mon qui a ma chambre. Bon Dieu, pas chérie. Non seulement bon Dieu humilié pour être capable d'éprouver, mais bon Dieu fait pour être capable d'essayer. Il y a une bagarre humiliation fait. C'est que vous se servez à humiliation pour essayer. Deutéronome 8, verset 3a. La route de la paix avec Dieu, son route d'apprentissage. Bon Dieu, servir avec circonstances comme ça. Pour le capable enseigne toujours une leçon. Ça veut dire, Mathéa, lors de calamité, lors de problème, lors de difficulté, vous me dites, qu'est-ce que Dieu veut me dire? Qui va mon Dieu dire dans cette situation ça? On va me dire affoler, on va me dire courir, mais qui ça mon Dieu me dit? Moi, je suis Mathéa, si mon Dieu est humilié, il faut pas gagner en CEO. Et si vous avez un enseignement, on va faire pile ça. Dans cette situation ça. Vous ne gardez pas ça pour Dieu, son route côté pour ça, enseigne ça joue. Nous disons que c'est là pour côté qui préparé, pour monde qui préparé. Mais enseignement, mon Dieu, pas où? Dans l'école, mon Dieu, là. Situation. Où me demandez, mon Dieu, qui semble dire dans la situation? Amen, amen. On est qu'il a volé, on est qu'il a couru, mais qui semble dire, mon Seigneur? Amen, amen, amen. Parce que situation va venir comme ça. Ma balle, nous, ils sont des enfants d'Israël. Mon Dieu dit, on quitte l'Égypte. Mon Dieu, bail, c'est lui qui a toute révélation sous plan voyage là. Un mois après l'Égypte, 30 jours après l'Égypte, le peuple a marqué manger en haut. Est-ce que mon Dieu va passer combien de capacités pour ce peuple a mangé pour 6 mois, pour 7 mois? Mais un mois seulement, après 8 mois, on va manger en haut. Pas de manger, elle était planifié par le maître. Parce que des fois, pour ceux qui ne font pas gagner, l'homme est correctif, déhancé, l'homme m'a joué avec elle. Peut-être que c'est ça, elle a déhancé les enfants d'Israël. Parce qu'elle fait un pas de manger. Si on veut manger, on est capable de dépendre de manger. Mais mon Dieu, ma chère, mon Dieu, il veut dépendre de Dieu. Alléluia. Faut dépendre de Dieu. Et ça fait, lors d'une journée, ou bien je dois avec mon paquet de bagailles, nous comprenons des fois. Les pleurs, pour que vous ne pas dépendre des biens, ou pas dépendre des connaissances, ou pas dépendre des sagesse, ou pas dépendre de mon Dieu. Pour les comprendre, qui vous faites la vie chrétienne, vous dépendre de Dieu. Les ensembles d'Israël, je suis fait de fait. Donc, on va dépendre du don de la main. Alléluia. Le grand goût, qu'on a eu, le grand goût, puis on mangeait pour aller prier, mon Dieu. La prière, mon Dieu, on devait la main inondée. Amen. Amen. Ou pas garder ça, mon Dieu, pas dépendre de Dieu. Amen. Mais toujours, quoi qu'à dépendre, l'homme malade, vous n'êtes pas pour faire, et la prière pour aller. Amen. Mon qui dépend de mon Dieu, c'est absolument, c'est complètement. Yes. Nous ne pouvons pas faire route avec Dieu, si on va dépendre de lui. Alléluia. Et mon Dieu, des fois, soumettre-nous dans une situation d'humiliation. Pour être capable de dépendre de lui. Est-ce qu'on prend les leçons de dépendance sur la terre? Est-ce qu'on prend les leçons que vous devez enseigner? D'abord, il y a une maladie qui s'est posée, une compliquée maladie. Une compliquée maladie, vous comprenez, c'est lui qui est seul docteur. Vous prenez compte, vous marchez avec tout docteur, en rien marché. Les en rien marché sont faits, la prière, la prière seulement. Vous devez mettre dans la situation ça, pour qu'on la prière. Mon Dieu, machin pour ce que vous avez contact. Avec Dieu. Amen. Les enfants d'Israël,
dans une situation qui te dépend totalement de Dieu. Mais à travers le don de la main, on se déverse sur la dépendance. Or, la main impossible, c'est dans l'obéissance à la parole de l'Éternel. Ce pas obéir par Dieu là maintenant. C'est important dans la vie. Matthieu, Matthieu, encore mes enfants d'Israël, Jésus, tes grands boutons. Matthieu 4, verset 2. Typiquement, humiliation, que petit bonsoir qui va prier pour le défendre complètement de l'homme pour manger. En tant que l'homme, Jésus a appris la leçon de la dépendance et de l'obéissance. Matthieu, en situation d'humiliation, Jésus te l'aille. Vous pouvez te dépendre de Dieu, vous pouvez te obéir à mon Dieu. Le chemin de la dépendance et de l'obéissance, sous nos situations de calamité matérielle, vous devez enseigner au Dieu bagage. La dépendance et l'obéissance. Je trouve rarement un chrétien qui marche avec lui, donc seul but de l'envie à l'existence, c'est pour connaître les faire volonté. Je dis à pas facile. Pour nous qui marchent avec Dieu, pour d'accord, vous dites, objectif pas de l'envie, c'est pour connaître mon Dieu et faire la volonté de Dieu. Comme vous voulez qui a marché avec Dieu, qui a fait la volonté de Dieu véritablement. Jésus-Christ, pas jamais dit, Dieu, où es-tu? Mais qui prie plutôt, Seigneur, côté mieux que tu as la dépendance et l'obéissance. Maintenant, comme un serviteur de Dieu qui a dit, côté mieux que tu as la dépendance et l'obéissance. Est-ce que dans vous, est-ce qu'on sent sous dépendre de mon Dieu? Est-ce que si vous êtes chrétien obéissant, car le serviteur de Dieu, le serviteur véritable, est un serviteur obéissant. Serviteur véritable, son serviteur obéissant. Et je dis à l'église, je dois vivre dans rébellion à Dieu, à la parole de Dieu. Comme vous qui mettez en pratique le bureau, les commandements de Dieu. Comme vous. Mais mon Dieu m'a dit à prêter le bagage dans le monde. Dans la situation d'humiliation, non. L'humilier que Dieu prend de lui. L'humilier que obéit à voile. La dévention de mon Dieu, le jugement de mon Dieu. Nous allons juger, c'est dans le nom de guérison que vous essayez avec vous le faire. Démon qui est chassé, prière qui est fait qui est exaucé, jugement qu'on va faire sous la salle et saillot. Mais nous allons juger en fonction de l'obéissance et dépendance par rapport à la parole de Dieu. Amen, l'Église. Jugement qu'on va faire sous deux bases, c'est la dépendance et l'obéissance. Est-ce que ce sont chrétiens qui dépendent de Dieu? Est-ce que ce sont chrétiens qui sont obéissants? Vous n'avez pas oublié pour faire notre vie. C'est pour dépendre de Dieu. Chrétien dépendant, il n'y a pas qu'une question sur notre la porte. Tout le monde se bat au courant. Alléluia. Chaque soir, fait notre vie. Est-ce qu'il conforme à la parole de Dieu? Est-ce que questionner soit fait? Je vous sais maintenant, situation de déception là-dedans. Situation d'humiliation là-dedans. On se plaît en se réveille. Est-ce qu'on prend enseignement, mon frère, ma soeur? Maintenant, il faut accepter enseignement. Je dis, non, nous sommes des experts. Voilà de commander à mon Dieu. Nous faisons prier ça, oui, nous commander, mon Dieu, fais ceci. Fais cela, fais cela de bon. Nous commander à Satan, nous commander des mots. Nous demander forcer la Seigneur pour tomber des vannes. Tout bagage ça, ou bien. Bon bagage, lui. Mais combien de fois, combien de matières de prêtre pour le Seigneur? Côté lié, quand tu as réussi sans sa parole. Qu'on est bien à volonté, combien de monde peut vous faire ça? N'a pas commandé mon Dieu fait. Frère, voyez vous ça à venir. Voyez ce travail à venir. Bon, gros tchon. Nous commandez. Mais qui sont si bon Dieu content là? Quand ce qui concerne l'obéissance et la dépendance. Est-ce que ce sont serviteurs qui dépendent, qui obéissent à Dieu? À la vérité, c'est l'obéissant. La vie, on vit que celle qui prie. La pire l'une avec l'autre. Relation l'une avec l'autre, la pire. C'est des chrétiens qui a marché à Dieu. On va donner un témoignage d'Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, que souffrance est enseignée en pile bagarre qui n'a pas comme l'autre monde. Mais Abraham Lincoln, il a origine de pionnier et a cédé au pouvoir politique pendant l'année sombre de la guerre de sécession aux États-Unis. Le Zéqueur s'est servi en tant que président animé de compassion et de détermination, dépression, souffrance mentale, c'était bagaille pas le même. C'est-à-dire, vie Abraham Lincoln, son vie qui chita sous souffrance, dépression, souffrance émotionnelle. Vous connaissez souffrance, ça, vous pouvez s'y accepter Jésus. D'abord, une réalité difficile.
Il a pour eux tout, Jésus. Amen. Nos amis, ils connaissent. L'évangéliste qu'on y a, là, c'est des crises passées qui fait cancer. C'est le cancer qui a fait la crise. Amen. Mais regardez, le web, il est vivant encore, le président de Jésus, devant Jésus. Il est stèle, il est stèle. Et puis, Jésus, ça a guéri. Amen. C'est cancer, souffrance qui a fait la crise. Ça fait tout matin. Souffrance, ça a guéri. Amen. Problème, non, de raison d'être, c'est la commune de Bouli. C'est vous qui m'aide, qui sortit à travers le problème ça, qui sortit à travers la calamité ça, qui sortit à travers le défait ça. Et ça, vous nous dit, Mathéon. Amen, amen, amen. Vous êtes tout Abraham, Nicole. Parce que il va conduire, sauf parce qu'il conduit la crise. Nous disons, un jour, Nicole, mon foule réunie dans la ville Nathalie. Les élèves quittent le collège. Il m'a demandé pour prier pour lui, mais il n'est pas trop chrétien. Il a enterré pour mes petites filles qui s'est plus gros dans la ville. Il n'est pas trop chrétien. Mais il a regardé ton soldat, des milliers de soldats qui mourent. Il décide de consacrer la vie à Christ. Les tragédies les plus douloureuses dans la vie, a, capable de venir dans la compréhension profonde du Sauveur Dieu. Mais moi, c'est dans une situation de détresse. Tu vas comprendre, mon Dieu. Dans une situation latente. C'est le bon Dieu intervenu, nous comprenons qui est ce bon Dieu. La vie des gens sont dit comme ça. En pire cas, elle était en pire bouleverse. J'en ai le moment, lui dit, vous comptez pas les roues, mais vous coudez à moi qui est sur eux. Vous avez conduit la confession, ça. Chacun qui, maintenant, dans une situation de souffrance, en situation de calamité, vous avez dit, puis d'avoir dit, vous comptez pas les roues, mais je dis à moi. Mais c'est l'homme qui tire les conclusions de sa bon Dieu qui dit à travers ce passant. C'est mon Dieu, si nous ne marchons pas avec mon Dieu, nous sommes sur la route de l'humiliation. C'est que mon Dieu vient par la reine. Sous nos déceptions, mon Dieu vient par la mort. Il est important pour tenter sa bon Dieu qui dit. Et va courir, parler, prier. Mais qui ça, mon Dieu qui dit? Il est important pour tenter. Mais pour tenter, vous pouvez vous dire les oreilles des disciples. Sont pas disciples ou pas concernés, le Seigneur de Dieu dans la calamité. Que calamité vous la donne pour qu'on ait voyé les oreilles de disciples. En pour comprendre qui ça, mon Dieu veut dire. Mais, vous avez ça, pour nous besoin de communion avec mon Dieu. Amen, l'Église. On ne peut pas être un disciple véritablement, on ne peut pas avoir les oreilles de disciples sans la communion avec mon Dieu. Et ça va m'attirer dans une situation de calamité là, dans une situation de souffrance. Appelle-moi pour vous m'attirer. Vous me faites plus communion, plus communication, mon Dieu, pour comprendre qui ça veut dire. À travers cette situation. Amen. Sans communion, on va rater le message, mon Dieu, de Dieu là. Calamité là, pas pour remercier. Que vous m'avez, mon Dieu, de Dieu. Quand vous jetez pour les enfants d'Israël, ils devaient enseigner, ils devaient parler à eux. Que vous m'avez, mon Dieu, de Dieu, dans cette situation là. Maladie là, pas pour remercier. Que vous m'avez, mon Dieu, de Dieu. Problème, pas vous remercier. Que bagaille, vous devez dire. Elles sont scellées. Mais pour comprendre, vous tendez. Vous besoin plus communion à mon Dieu. Vous avez besoin d'une prière pour accoler à mon Dieu. Laurent, beaucoup, va de la vie à frapper. Vous avez besoin à genoux. Chaque jour, devant Dieu, vous dites, mon Dieu, qui ça va dire? Qui ça va penser? Des fois, nous voulons courir, nous voulons prier. Mais non, souffrance n'est pas là pour prier. Vous devez accepter la souffrance. Même si on chante, comme s'il dénonce. Accepter la souffrance comme s'il dénonce, c'est pas mal facile. Et ça fait, c'est dans la communion avec mon Dieu. D'accord. D'accord, la réalité souffrance, c'est dans la communion avec Dieu. Parce que c'est l'idée de Dieu, c'est dans des yeux, pas les communions avec mon Dieu. Il n'y a pas de souffrance dans rien. La d'accord avec théologie, ça veut dire, et bien les portages à mon Dieu dans tout bagage ou bien. On dit, le contraire, les opposés à la croix. Tout le monde qui les suivre pieusement seront persécutés. C'est la parole du maître. Maintenant, au besoin seulement, puis vous même là. Non, souffrance pour avancer plus près Jésus. Non, problème pour avancer plus près Jésus. Certainement. Problème ça, pour fin. La tombe parce que. Comme il était planifié par maintenant, avec 40 ans de désert, en position de religieux au Canaan. Parce que ça fait partie du plan. On va passer toute vie dans la souffrance. Amen, amen, amen.
Amen. Amen. Amen. Faut pas passer toute vie en souffrance. Parce que mon Dieu est fidèle, il est juste pour nous. Libérez les juste pour nous conduire vers la victoire. Mon Dieu a conduit mon frère, ma soeur vers la victoire. Mon besoin pour l'entraînement en souffrance. Qui sont les filles? Pour la formation en souffrance. Qui sont les filles maîtres? Mon besoin, si souffrance a venu, mon Dieu veut enseigner la dépendance et l'obéissance. Et mon Dieu.